Bonjour les amis, alors essai avec cette petite caméra Sony qui a l'air, d'abord elle me trouve, hein, j'ai ma box qui m'entoure et je vais faire le tour pour voir comment est-ce qu'elle se comporte, donc si elle est suffisamment bien stabilisée. Donc ça a l'air d'être le cas. Et ben voilà, donc je continue ma petite promenade dans mon jardin avec cette caméra et je l'ai mis au bout d'un selfie stick de manière à voir un peu plus d'éloignement. Le champ est un 26 mm, donc vous voyez que c'est tout à fait correct et on va voir en ce qui concerne la stabilisation, comment est-ce que ça se comporte. Je ne suis pas très doué et dans mon jardin, il y a plein de trous dans la pelouse, donc ça fait d'autant plus de choc. Alors maintenant, je vais essayer la même chose, mais le zoom est impressionnant puisqu'il fait 54 fois. Alors voilà, j'ai tourné la caméra et je vais vous montrer ce zoom, les amis. 54 fois. Je recule. Et j'avance. Mais c'est pas mal du tout. Et nous avons de la chance. Nous avons un oiseau. Encore un petit coup de zoom. Alors je recule parce que j'arrive pas à tenir. Impressionnant, une caméra qui va faire donc 54 fois et en plus qui peut servir de vlogging caméra pour moins de 100 $, les amis. Ah, je l'ai raté. Et voilà les amis, et ben écoutez, je pense vous avoir montré toutes les capacités de cette caméra. Franchement, 100 $ sur eBay ou moins même, je crois que ça vaut la peine. En plus, les amis, elle a un port HDMI, donc vous pouvez en plus vous en servir comme webcam sur votre ordinateur. Pas mal, non? Qui dit mieux? Au revoir les amis.